Chez nous. Chez moi, dans mon atelier, dans mes meubles. Et moi? Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est bien ce que tu risques. J'ai fait une demande en séparation de corps pour un an. Ce qui veut dire que pendant un an, si tu demeures ici, ou même si tu t'y approches, même si tu viens y voir, tu as le choix. Ou tu seras passible de prison, ou tu passes à pour ma maîtresse. Tu as toujours envie de rester maintenant? Ah, c'est la loi, c'est la loi. En somme, tu me mets à la porte? Non, la loi. Tu te crois quand même pas que je vais me contenter de ça? Sûrement pas. Et cette idée ne m'a même pas traversé l'esprit. Quelle vanité que la vôtre. Comme s'il n'y avait pas sur Terre certaines femmes spécialisées et beaucoup plus intéressantes que vous. Mais elle t'aime. C'est bien possible, ouais. Elle m'a fait quelques allusions de ce genre. Et si je me trompe, elle me l'a même dit. Et alors? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi cynique que toi. Je suis d'accord. Donc, tu me mets à la rue? À la rue. Tu là? Tu me mets à la rue. À la rue ou ailleurs? Comme tu veux. Et tu crois que l'on peut traiter une femme de cette façon? Maintenant de l'oublier que tu es une femme. Bien voilà, c'est fait. J'ai oublié. N'oublie pas quand même que tu as des obligations envers celle qui a été ton épouse. J'ai fait pour cette bonne camaraderie. C'est ça? Oui. Pension en somme? Oui. Un mois d'avance. Tu restes encore un certain sens de l'honneur? Ouais, je vais pas.